Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler de Auchan. C'est une nouvelle réaliste écrite par Guy de Maupassant, un écrivain français qui, bien sûr, a écrit cette nouvelle réaliste dans le cadre des contes de la Bécasse. Ça veut dire un ensemble de chasseurs, d'accord, qui le soir se rassemblaient autour d'un vétéran, un ancien baron, et ils racontaient de belles histoires, d'accord. Et ces histoires, bien sûr, parmi elles se trouvent ici Auchan. Donc je rappelle bien que c'est le 19e siècle, d'accord, 1882, date de sa parution. Et je rappelle bien son genre de cette nouvelle. C'est une nouvelle réaliste, d'accord? C'est-à-dire, elle émane de la réalité. Bien. Alors, l'écrivain ici nous parle, le nouvelliste nous parle de deux familles, d'accord? Dans la station Holport, d'accord? Station thermale, d'accord? D'eau minérale. Et ces deux familles-là vivaient tranquillement dans la campagne. Ce sont des familles misérables, d'accord. On ne donnait que de la bouillie aux enfants, un bouillie de pommes de terre. C'était des deux familles très très pauvres, d'accord. Bien. Alors, un jour, bien sûr, comme élément de perturbation, c'est l'arrivée d'une femme très riche. Une femme, je répète très bien, Madame Dubière. Donc, c'est la famille les Dubière. Madame Dubière, avec son mari, arrive, bien sûr, dans une voiture hypermobile, si vous voulez. C'est l'équivalent de notre 4x4 aujourd'hui, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche, cette femme-là? Elle cherche à adopter, sinon acheter un enfant. Ça veut dire que coûte, elle se promène, d'accord, dans les campagnes. Elle est déjà venue, elle a vu les enfants barboter dans la boue et les embrasse. Mais cette fois-ci, elle a décidé de bien adopter un enfant. Sinon, je le répète, l'acheter. Il va utiliser tout son pouvoir, d'accord, bien sûr financier, pour avoir un enfant, parce que elle, bien sûr, on ne sait pas, d'accord, on laisse bien sûr le suspense au lecteur. Est-ce que c'est une femme stérile? Est-ce que c'est son mari qui est stérile? Est-ce que c'est une femme qui ne veut pas enfanter? Vous voyez, il y a plusieurs, si vous voulez, interprétations là-dessus. Alors, elle s'adresse d'abord à la première famille, la famille des Tuvache. S'adresse à Madame Tuvache, lui demande un enfant, alors que Madame Tuvache n'a que Charlot, un seul enfant et trois filles. D'accord. Alors Madame Tuvache se trouve bien sûr dans l'impossibilité de céder son titre. Elle refuse, malgré l'argent que propose Madame Dubière. Madame Tuvache, bien sûr, a refusé. Puis il se vante de ne pas vendre son enfant. D'accord. Reproche voisin, Madame Dubière, de vendre un enfant, que c'est ridicule. Ça veut dire que c'est pas honorifique ni déontologique. D'accord. Madame Dubière n'a pas, si vous voulez, hésité. D'accord. N'est pas déçue. Elle s'adresse maintenant à la deuxième famille, la famille des Valas. La famille des Valas, elle a trois enfants et une seule fille. Dans ce cas-là, Madame Valas, bien sûr, elle est, si vous voulez, préparée à sacrifier un enfant. Pourquoi? Parce qu'elle en a trois. Alors que Madame Tuvache, moi je suis d'accord avec elle, ne peut pas donner son enfant parce qu'elle n'en a qu'un. Si Madame Dubière avait demandé une fille, peut-être, elle lui aurait donné. D'accord? Alors, Madame Dubière propose, si vous voulez, l'adoption de l'enfant Jean. Madame Valas a accepté, contre, bien sûr, une rente viagère, d'accord? Ça veut dire une pension, bien sûr, viagère, ça veut dire durant toute l'adoption de Jean, jeune enfant, Jean, un enfant très beau, comme tu vois, bien sûr, des enfants, il n'y a pas de bébé lait, tous les enfants sont beaux, demandez à maman, d'accord? Bien, alors, d'abord, c'est une grosse somme qu'elle va verser à la famille des Valas, puis une rente viagère, d'accord? Des habits, des cadeaux, et puis un avenir bien sûr certain pour l'enfant Jean. Bien. Madame Tuvache, si vous voulez, a reproché et même s'est disputée avec les Valas pour avoir vendu leur enfant. Donc ici, on est en train, si vous voulez, de discuter un sujet très important dans la vie, bien sûr, de la population humaine, de l'espèce humaine, c'est l'adoption.
peut adopter et qu'heureux. La femme, les gens qui n'ont pas d'enfants peuvent bien sûr adopter. Adopter, c'est bon, c'est aider bien sûr les familles nombreuses à éduquer leurs enfants. D'accord? Bien. Alors, Jean, après 20 ans, bien sûr, il se trouve, hein, il va revenir, hein, il est revenu. Mais il n'est pas revenu comme ça. Il est revenu un médecin, d'accord, un dentiste. Et il va épouser la plus belle fille du, je sais pas moi, hein, du village, hein, un médecin, très riche, bien éduqué, un homme élégant, etc. Alors, la jalousie, bien sûr, hein, commence chez les Tuvaches. Alors, surtout chez Charlot. Charlot, le garçon dont la mère, hein, Madame Tuvache, avait refusé l'adoption. Donc ici, si vous voulez, on est entraîné, d'accord, on est drainé vers une problématique, si vous voulez, d'argent. Hein, accepter ou refuser l'argent. Accepter l'adoption avec argent ou bien la refuser. Donc, Madame Tuvache avait refusé l'adoption, hein, de vendre son enfant, si vous voulez dire. Contre de l'argent, contre beaucoup d'argent. Alors que Madame Valla avait sacrifié un enfant, d'accord, contre beaucoup d'argent. Donc, si on peut dire que, on peut dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais parfois, il le fait. Parce que chez les Valla, l'argent a fait le bonheur. Jean est devenu médecin, il est devenu très riche, bien éduqué, un homme élégant. Tandis que chez les Tuvache, vous voyez, Charlot, il a même maudit ses parents, alors que ce n'est pas déontologique, hein. C'est pas déontologique, d'accord? Il les a insultés et il est parti à jamais. Donc ici, je pourrais dire, tranchant, si vous voulez, sur une idée très provocante, très importante, c'est est-ce que l'argent fait le bonheur? On peut dire que oui, l'argent fait le bonheur, hein, d'accord? Mais utilisé sciemment. Dans ce cas-là, on laisse le suspense, si vous voulez, aux gens. Vous avez un seul enfant, vous pouvez refuser de je pense, même si vous vivez dans la misère, alors que Madame Valla, bien sûr, a donné un enfant. Elle en avait déjà trois, bien sûr, elle avait raison. Hein. Et elle a réussi, si vous voulez, à devenir riche avec l'adoption d'un seul enfant. Je pose encore la question, est-ce que l'argent fait le bonheur? C'est à vous de décider. Merci.